C'est les objets de la... Aloy, l'avant-poste est juste là. Tu es prête? En fait, je suis déjà passée par cet avant-poste. Mais je n'ai pas vu de prisonnière. Vraiment? Peut-être qu'elle a été déplacée avant que tu arrives. Cette prisonnière, Nakala, c'est vraiment la seule piste que j'ai. Je pourrais retrouver sa trace. Allons jeter un œil. J'ai déjà fait l'avant-poste avant, donc... Si vous n'avez pas fait l'avant-poste, on va le faire à ce moment-là. Au rôle plané. Logique, hein. Les éclaireurs ont vu Nakala attachée à un poteau en bois. Jetons un œil. Tout ça, c'est des... Ok. Là, le poteau. Pas de Nakala. Mais les rebelles ont pu la déplacer. Cherchons des empreintes. La corde n'est pas coupée. Est-ce qu'elle s'est échappée? Là, des empreintes qui partent du poteau. Où est-ce qu'elles vont? Du sang. Des rebelles ou de Nakala? Je récupérerai ça dans ma réserve plus tard. Une impasse. Non. Je crois qu'il y a quelque chose sous ces planches. Prends ma main, Nakala. Ça va aller. Où suis-je? Chapelaine? C'est bien toi? Et avec une étrangère? Wow. Comment tu as atterri là? Les rebelles m'ont attaché. Ils pensaient m'arracher des infos sur les escouades de la plaine en me laissant rôtir au soleil. Mais j'ai réussi à me détacher et à m'échapper. Ils me l'ont fait payer. Je me rappelle seulement avoir reçu un coup sur la tête et être tombée à terre. Comment vous êtes arrivés là? Nous recherchons Kavo. Apparemment, son escouade aurait quitté cet avant-poste. Oui, il était ici. C'est son escouade qui nous a attaqués sur la route. Mes compagnons se sont enfuis, mais j'ai été capturée. Kavo m'a lui-même attachée au poteau. Si tu es à sa recherche, Chapelaine, j'ai bien peur que tu ne te heurtes à un mur. Il a choisi son camp. Tu sais où ils sont allés? Je les ai entendus parler de falaise. Alors, nous devons aller là-bas. Je vais y aller et on se rejoint à falaise, au sud-ouest d'ici. Deka, si Kavo a attaqué son escouade... Non. Tout n'est pas encore perdu. Il faut le retrouver et le détourner de son chemin. D'accord. Je te rejoins là-bas. Ah oui, c'est son petit-fils, c'est vrai. Et toi alors? Il faut soigner cette blessure. C'est rien. Je vais me reposer un peu, puis je retournerai au bosquet. Je te le dis à toi, Rookin.
La chapelaine ne veut peut-être pas l'entendre, mais son petit-fils est un traître. Ouais. Eh bien, c'est ce qu'on verra. Obligé d'y aller à pied. Ça passera pas si. Je me repose ici, ou je continue? Très écolo ça, c'est bon. C'est pas grave. J'ai pas mal de ressources. Ça, je m'en sers pas. Faut pirater. Hein. Comme ça, hop. Ça, j'irai plus tard. Aussi bon que beau.
les soldats Tenak attaquent les rebelles. Ils ont sûrement besoin d'un coup de main. Non mais garde ton feu. On a du grand feu à Yannick. Tout le monde garde le feu. Putain, bah, détruit son. Détruit son animal, elle est con, lui. Ah non, il y a un petit détail. Son animal, sa machine, non, sa machine. Personne ou quoi? Ah, j'ai plus de place sur moi. Je l'envoie dans ma réserve. Étrangère, t'as une seconde? Oui, je suis ça. Tes cheveux sont rouges comme la miel. Je savais que mes yeux ne me jouaient pas des tours. Tu es Aloy, la championne des carreaux. Je m'appelle Gatak. Je suis la chef des renards du clan de la plaine. Nous sommes désolés d'être arrivés sans prévenir. On dirait que t'es bien préparé. Les habitants de la plaine savent utiliser l'élément de surprise à leur avantage. Comme ça, on est efficace. Tu es venu pour reprendre Omarais ? Omar. C'est un village de la plaine au sud-ouest. Il a été capturé. Je crois que ça se bat sur la droite là. J'imagine que le chef t'a envoyé le reprendre. Désolé, je. Je fais que passer. On espère que tu es au mieux pour empêcher leur ravitaillement. Mais un jour ou l'autre, nous devons attaquer directement. Prends ton temps, Aloy, vas-y. Une guerrière comme toi, c'est inutile. Si jamais je suis dans le coin, je sais ce que je peux faire. Que les 10 y veillent. Mais avant que tu partes, prends ceci. Je suis sûre que le chef Ekaro apprécierait que son clan te remercie pour ton aide contre Regala. Merci. Que notre prochaine rencontre soit aussi glorieuse. Il fait chier. Putain, t'as la tête, t'as personne. Ah, mais c'était pas partie de la mission, ça.
Bah ouais, je suis con. Bah merde. Ah d'accord. Et c'est une étrangère. Honneur et force. Hé étrangère, viens faire affaire avec moi. Dis la vérité. Écoute-le, Aroquet. Jamais de la vie. C'est un traître. Deka, qu'est-ce qu'il y a? À l'œil. Contente que tu sois là. Voici Aroquet, le chef de Falaise. Alors tu as entraîné la championne du chef dans ta quête insensée. Et toi, tu dois être Kavo, mon petit-fils. Et aussi un soldat qui essaie de réparer ses erreurs. Ou de nous attirer dans un guet-apens. Oh putain, faut que je choisisse. Les éclaireurs l'ont vu. Il était en train de fouiner autour du village. J'étais pas en train de fouiner. Je venais vous avertir. Les rebelles préparent une offensive. Ils vont envoyer une machine droit sur le village. J'ai quitté ma position quand j'ai réalisé ce qui mijotait. Il faut que vous m'écoutiez. Où sont partis les rebelles? Ils sont partis chasser la machine au nord d'ici. Je peux vous montrer. Tu n'en feras rien puisque tu seras jugé par combat. Tu as trahi ton clan. Ton chef. Le sang et les lames décideront de ton sort. Je combattrai qui vous voudrez quand on aura empêché l'attaque. Pourquoi détruire ce village? C'est pas avec Ekaro que Regala est en conflit? Avant d'être chef, c'était un Ténac de la plaine. Nous soutiendrons Ekaro sans faillir, contrairement au clan du désert et du ciel. Falaise est un point stratégique à mi-chemin entre le bosquet et notre capitale sur la côte. C'est vrai. Nos ordres étaient de priver Ekaro du soutien du clan de la plaine. Pour moi, il fallait perturber l'approvisionnement, pas massacrer un village entier. Tu dis que tu as fui après avoir compris qu'ils allaient attaquer. Pourquoi changer d'avis? En rejoignant les rebelles, je pensais que Regala allait nous mener jusqu'au combat contre nos vieux ennemis, les Karja. Mais nous n'avons fait que nous entretuer. Et pourquoi? L'orgueil? La vengeance? Alors, quand mon chef d'escouade nous a parlé de la mission de détruire ce village, j'ai quitté mon poste. Ce ne sont que des mensonges. Tous ceux qui désertent la tribu pour rejoindre Regala savent exactement dans quoi ils s'engagent. Non, pas tous. Si Kavo dit la vérité, c'est tout le village qui est en danger. Nous devons trouver ces rebelles et les arrêter. Les rebelles ont établi un camp au nord de la rivière, près des falaises. Je peux vous indiquer le chemin de là-bas. D'accord. Ouvre-lui, Aroquet. Non. Je ne peux pas risquer qu'il prenne la fuite. Accompagne-nous. Le traître restera ici jusqu'à son jugement par combat. Alors j'invoque les liens du sang. Accompagne-nous. Je prendrai la place de Kavo et ce, jusqu'à ce qu'il revienne. Pas mal. Tu fais une grosse erreur, Chapelaine. Le clan a besoin de tes conseils, pas des mensonges de cet étrange garçon. Le rite est lancé. Kavo va partir avec Aloy. Alors je viens aussi. Si le garçon dit vrai, je vous serai utile. S'il nous a menti, je nous vengerai. J'ai une ou deux affaires à régler. Ensuite, je l'amènerai au point de rencontre. Bien. À plus tard.
pour l'instant. Le feu de camp dont Kavo a parlé ne doit plus être loin. Pourquoi ce silence? Il devrait déjà être là. Je vois quelqu'un qui attend. Mais ce n'est ni Kavo ni Aroke. Ma bourse est pleine, mais j'ai de la place dans mon sac. Les amis de Kavo, je vais devoir les éliminer pour atteindre le feu de camp. Oh, t'as eu chaud là. Est-ce que c'est foutu de notre gueule? Hop, je prends, c'est une merde, c'est normal. Attendre feu de camp, lui et Aroke. Ah, mon sac est plein, mais j'ai de la place dans mon sac. Salut, salut. C'est bon? Des amis à toi en arrivant, Kavo. Ça ne s'annonce pas bien pour toi. Il devait être en train de patrouiller. Je jure sur les disques, je savais pas qu'il serait là. Je vous l'avais dit. Ces mensonges sont comme une plaie. Il vaut mieux la cautériser avant qu'il soit trop tard. Non, je dis la vérité. Je sais pas. Détache-le. Comme tu veux. C'est une grosse erreur. Et mon arme aussi? Si tu penses... Rends-lui son arme, Aroke. Il faut se mettre en route. Tu passes devant. Allez, c'est par là. Où est-ce que tu nous emmènes? Les rebelles sont postés près des cascades, pas loin. Je suis passé par là en partant. Les autres ne s'attendront pas à ce que quelqu'un prenne ce chemin. Ou peut-être que si, et ils nous embrocheront dès notre arrivée. Voilà les cascades. Et il n'y a personne, comme je l'avais dit. Continuons d'avancer. Ça ne me plaît pas. Tu vas où exactement là? Là-bas?
qui sont passés. Pas de rebelles, pas de machines. C'est bien ce que... Là-bas, près des chutes. Par le sang des dix. S'ils lâchent cette chose dans la falaise, le village n'a aucune chance. Il faut les en empêcher. Ici. On te suit, Aloy. Des munitions d'acide pourraient m'aider. Par qui ? On est toujours avec moi. Je vous laisse ! Je l'ai trouvé ! C'est Cabo ! Il les a menés droit vers nous. Là, je sais plus là, c'est quoi. Oula. Ah, merci le bug. C'est pas ça? Alors, c'est... On a réussi. C'était les Amiens. Cavo, tu saignes. Ça va aller. Ce qui compte, c'est qu'on a empêché l'attaque. Grâce à ta mission. Je crois que vous êtes dans la machine.
Allez, je vais te ramener à Falaise. Je crois que j'ai une ou deux côtes. Fais-les. Par la première. Je vais le ramener au village. D'accord. Je dirai à Deka ce qui s'est passé. Je retrouverai ça dans ma réserve. Sur vous trois, toi seul est revenu. Non. Qu'est-il arrivé ? Kavo disait la vérité. Les rebelles avaient un mastodonte. Kavo a été blessé au combat, mais nous avons empêché l'attaque. Aroké... Il regrette de l'avoir mis en doute. Ah, mec. Ton petit-fils s'est montré honnête et plein de courage, Chaplain. Il est loyal envers la plaine. Alors, vous allez le libérer ? Il mérite de sortir. Mais il faudra plus d'efforts pour regagner la confiance de notre clan. Je ferai tout ce qu'il faudra. Merci, Aloy. En effet. Falaise t'est grandement redevable. Accepte ceci en récompense. Merci. Merci. Quand tu seras guéri, j'aurai tellement de choses à te montrer. Bon retour parmi les tiens. Okay.